Coucou à tous, c'est Krim, on se retrouve pour un nouvel épisode du Wonder Child Challenge. Donc, vous vous souvenez peut-être, dans le dernier épisode, Andrea venait juste de passer ado et donc on s'était arrêté là. Donc, j'ai fait un petit relooking d'Andrea, je vais vous le montrer tout de suite. Allez, viens mon petit, viens montrer comme tu es beau. Non, c'est pas toi, toi, on s'en fout. Va te coucher, tiens. Allez, et viens dans les lumières. Alors forcément, il est triste, hein, parce que comme j'ai attendu le dernier moment pour le faire grandir, et puis il est un petit peu maigrichon, hein, ça c'est les heures passées sur les barres horizontales. Donc, voilà. Je l'ai un peu relooké, j'ai pas changé grand chose, hein, juste la coupe et puis les vêtements. Donc maintenant on va pouvoir un petit peu s'occuper de monter toutes ses compétences. Et comme il y en a un paquet, on va pas s'ennuyer jusqu'à son anniversaire pour le passage à l'âge adulte. Donc déjà on va peut-être un petit peu refaire vite fait sa chambre. Donc je passe en mode construction, on se retrouve dans quelques secondes. Et voilà, donc on est de retour. Du coup j'ai épuré un petit peu sa chambre pour faire plus une chambre d'ado. Oui, alors je me suis pas trop attardée sur la déco, de toutes les façons c'est pas mon truc, et puis pour le temps qu'il va passer dans sa chambre on n'a pas non plus besoin que ce soit une œuvre d'art. Donc voilà pour sa chambre, et puis on va attaquer tout de suite les compétences. Donc comme je le trouve vraiment maigrichon, vous avez pu le constater, j'ai installé un banc de muscu, donc il va y aller direct. Ah oui, donc en fait le violon que j'ai monté tout à l'heure, ça n'a servi à rien puisqu'il est revenu à 1. Ah non, pas le j'étais, non, je dis, excusez-moi, je raconte n'importe quoi, c'est pas le violon que je l'ai fait monter, c'est la logique, elle est bien à 3. Je suis fatiguée, ouh là là, je commence à raconter n'importe quoi. Si je confonds les échecs avec le violon, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Allez, à l'entraînement. Après, on ira faire du jeu vidéo. Les devoirs, c'en est où, parce que... Oh, bah t'as cours que dans 3 jours, c'est magnifique. Tu vas avoir tout le temps de faire tes devoirs. Allez. C'est bien. On va avec la compétence fitness. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas des bras qu'il a, c'est des spaghettis. Voilà. Allez, on repousse ses limites. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Et ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus anciens. Ils capteront la référence. Bon. Et forcément, quand on fait du sport, on se sèche. Prendre une douche et puis, bah du coup... Tu vas aller faire des jeux vidéo? T'avais déjà commencé. Jouer à vivre les Sims. Parce que bien sûr, on ne joue qu'aux Sims. Allez. Qu'est-ce qu'il a? Il est éreinté. Pauvre petit. Pas comme s'il n'avait pas l'habitude avec moi de bosser comme un dingue. Et ton père, il fait quoi? Bah, il fait rien. Prendre des restes. Allez, et après, t'iras te coucher. Voilà, je rappelle que tous les points qu'on prend, c'est des points pour le score final. Donc on va essayer de maximiser un maximum de compétences pendant les 12 jours qui nous restent. Déjà, on va choper un train.
Mais j'ai pas regardé, faut finir de lire 3 livres. Bon, c'est pas trop, ça va pas trop m'aider, mais bon, ça peut donner des points et on pourra acheter des traits et ainsi de suite. Allez, lire. Vas-y, au bout de l'acheter. Voilà. On tira aux toilettes après. Tu peux lire aux toilettes, non? C'est pas possible. Non, ils font pas ça, les Sims. Il n'y a que nous qui faisons ça. Visiblement. Hop, allez, retourne lire. Allez. Qu'est-ce qu'elle a, Céleste? Elle a faim. Bah, elle va aller préparer à manger parce que je crois qu'il n'y a plus grand-chose. Allez, un petit ragoût du campeur. Soupria. Je suis désolée, Soupria, mais on va pas aller en boîte de nuit. Ah, ça y est. Hop, il a lu un livre. Il y a une belle prise. Comme ça, on pourra acheter des traits après. Hop. Allez, hop, hop, hop. Quand tu veux, hein. Après on va les faire manger. Oula, il est rouge tout partout. Hop, prendre des restes et dormir. J'aimerais bien qu'il valide le deuxième livre, comme ça après on y a un troisième. Et après c'est quoi? C'est quoi après? Devenir adulte. Ah ouais, merde. Ah, c'était peut-être pas la bonne en fait. Peut-être attendre de valider ça. Et... ah oui, il faut que je trouve un travail aussi. Ça me rapporte des points de trouver un travail. Je vais trouver un travail. Je vais valider les 3 livres, les 2 trucs, et puis je changerai d'aspiration. Et oui, j'avais pas vu qu'il fallait devenir adulte. Bon, tu vas trouver un travail avant d'aller au lit quand même. Parce que c'est important. Un emploi et après tu iras dormir. Oui, parce qu'en fait plus vite je trouve un travail, plus vite ça me rapporte des points aussi. Alors babysitter, ouais, minuit ça fait 5h, 7h, ça peut être pas mal ça. Parce que là c'est long quand même, mais babysitter ça prend du temps. Là c'est 2h, c'est 4h, c'est 4h aussi. Je suis tenue, barista ça dure, enfin c'est pas longtemps, on va faire barista. Ah, il faut apprendre la mixologie, il va falloir acheter un bar. Allez, on va acheter un bar. Ah, je ne sais plus où c'est les bars. Bar. Hop, allez, on va acheter un bar, après on va le mettre dehors, hein, parce que bien sûr, les bars, ça va dehors, c'est bien connu. S'en fiche, chez les Sims, il fait toujours beau. Par contre, ils ont plus de sous, du coup, avec toutes ces histoires. Hein. Hop, quand il aura fini, il pourra s'entraîner à préparer des boissons. Bon, ça c'est bon, atteindre le niveau de mixologie, il faut qu'il soit inspiré. Ah, je vois qu'elle nous appelle, Céleste. Bah, va aux toilettes. Tu vas aux toilettes, tu prends ta douche et tu regardes la télé. Tiens, tu regardes un film. Simder, parce que c'est. À toi, bah, toi tu manges. Il est où le ragoût? Ah, oui. Ah, il est là le ragoût. Prendre des restes.
Bon bah t'es pas obligé de dormir jusqu'à pas d'heure non plus. Allez hop, il y a du boulot au moins. Hop. Donc, il nous faut le niveau 2 en mixologie. Voilà. Soupria. Merci. Allez, hop, hop, hop. Allez. D'ailleurs, on peut peut-être vendre des choses. Là, on peut vendre. On peut vendre ça. Hop, ça fera un petit peu d'argent. Voilà. Et ben voilà. Donc, nickel. C'est bon, tu peux arrêter. Allez, tu vas trouver. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il est courbaturé, mais c'est pas grave. C'est dans ta tête, les douleurs, c'est dans ta tête. Voilà. Après, tire à manger. Puis tire à discuter un peu avec ta mère parce que je te sens un peu stressée. Tu peux pas faire des choses pour... Et c'est conversation profonde. Voilà. Allez, on y va. Ah, t'as un livre aussi, un livre à lire. Oh, il y a trop de choses à faire. C'est impressionnant. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, bah discute avec ta mère pendant ce temps-là. Ça, tu fais monter ton besoin social. Voilà. Allez. Illuminer la journée. Complimenter. Essayer. Prendre une douche. Dormir. Il va tomber de fatigue à un moment donné, je pense. J'aurai pas le temps de... Ah si, ça a l'air d'aller. Allez, super. Ah bah non. Donc il allait se coucher et il ressort pour tomber de fatigue au pied de son lit. Ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des choses logiques. Moi aussi, des fois, je suis tellement crevée que je m'allonge dans mon lit et je me relève pour m'évanouir au pied de mon lit. Parce que c'est tellement plus facile de faire comme ça. Alors ça aussi on peut revendre. Allez hop. Je suis désolée mais il faut qu'on achète du matos. Hein, donc... Hop, il va aller lire encore un livre dès qu'il se réveille. Lire. Comment j'ai quitté votre père. Ensuite, m'occuper des parents pendant ce temps. Ce serait bien que tu aies récolté un peu des trucs, toi, parce que... Arroser avec des larmes. Oh, c'est beau. Pourquoi il est triste? Parce qu'il s'ennuie. Tu vas aller faire crac-crac, genre, ça va tout remonter. Entretenir le jardin. Hop. Oui, tu vas aller faire crac-crac avec madame. Ça va vous faire plaisir à tous les deux. C'est parti. Hop. Ah. Il veut pas, il est trop triste. Mais ça te ferait du bien, tu sais. Bon, on va discuter d'abord. Allez. On va essayer de s'occuper du gagne-pain déjà. Toi, pendant ce temps, tu peux peut-être nettoyer un petit peu parce que c'est un peu dégueulasse chez toi. Jeter ça, non? Jeter. Attends. Tout jeter. Allez, c'est parti. Ça va mieux, gars? Non, ça va pas mieux. Bon.
Hop, allez, va demander conseil à ta femme, ça ira mieux après. Est-ce que Andrea travaille demain? Non, dans 2 jours, super. Ah bah voilà. Hop. Ensuite, Andrea. Allez, lève-toi et va lire le dernier livre. T'es courbaturé. Hop. Pourquoi ça va pas? Tu prends une douche. Ah, tu t'es endormi dans ton bain. Putain, c'est pas possible. Allez. Allez, donc il en met du temps à lire son livre. Hein. C'est au moins 600 ou 700 pages. Hein. T'es pas un rapide, mon coucou. Allez, on se déconcentre pas, on y croit. Voilà. Ok, demain. Atteindre le niveau 4 de 4 compétences. Ouais, ça, ça va être possible. Assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allez, mixologie un petit peu. J'imagine que pour la prochaine étape de ton job. Ah bah non, remarquez, il n'y a que 3 étapes, donc il n'aura pas besoin de plus, mais bon, ça fait prendre des points. Et comme il me faut 4 points dans 4 domaines, ça va être ces 4 là. Et puis voilà. Il est triste. Pourquoi il est triste? Il s'ennuie. Ok, bah, pas de soucis. Tu vas aller discuter avec du monde. Internet et ton ami. Discuter. Discuter. Voilà. Allez, va discuter sur Internet. C'est bon, là, t'es plus triste. Non, t'es fatigué, quoi. Choisir aussi, hein. Allez, remonte ta barre. Magnifique. On va attendre qu'elle soit dans le verre. Écoute, laisse tomber. Prendre des restes. Aller aux toilettes. Et après, tu discuteras avec ta mère. Il faut que tu fasses tes devoirs aussi à un moment donné. Hop, hop, hop. Nickel. Plus de choix. Tu. Voilà, c'est très bien. Blablabla. Non, bah pas la sieste, non. Si tu dors, tu dors. On peut te passer la nuit. Hein. Tiens, tu vas les faire évoluer. Après, tu vas aller aux toilettes. Et après, tu vas manger. Céleste a vieilli. Ah, bah voilà. Très bien. Elle est passée personne âgée, comme son compagnon. Allez, tu vas aller faire à manger. Allez, gastronomique maintenant. Allez, hop. Allez, pasta primavera. C'est parti, toi t'en es où? Allez, recharge un peu les batteries. On en est où ici?
Ah, la mixologie, c'est presque ça. La logique aussi. Il va manquer le fitness et les jeux vidéo. Ok. Allez. Sinon, dans les trucs... Non, c'est pas ça que je voulais aller voir. Dans les trucs, j'aimerais acheter après... Non, je l'ai loupé, je crois. Attendez. Stick, observateur, toujours bienvenu. Lecteur rapide, mentor. Gratuit, économe, esprit d'initiative. Indépendance en gêne, vessie, vessie, captivant. Ouais, non, ils sont chers, tout ça. Donc, on va essayer d'acheter les moins chers le plus rapidement possible, juste pour pas avoir des points en fait. Parce que ça, on en a pas. Par exemple, on va prendre des choses qui peuvent nous être utiles. On va commencer par piller de la salle de gym. Comme ça, ce sera déjà fait. Et puis après, on prendra les autres qui sont un peu plus chers. Pour ça, il faut des points. Niveau 3 de n'importe quelle carrière. T'en es où là? Allez hop. Elles sont où les pasta primavera? Dans l'évier, c'est normal. Pas de problème. Allez, un petit peu de mixologie. Après, un petit peu de sport. Et un petit peu de jeux vidéo. Voilà. Tu peux parler à ta mère pendant que tu manges, hein, tu sais. Non, elle veut pas. Alors, on en est où là? Super. Allez hop, t'arrêtes pour l'instant. Ensuite, le fitness. On est à deux. Allez. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Bon, bah vas-y, hein. Repousse tes limites, mon petit. Il faut se dépasser. Le dépassement de soi. Okay. 3. T'en peux plus, t'en peux plus. Ok, va te doucher. Et puis après, tu pourras jouer. Jouer à les Sims, par exemple. Et puis, il faut faire tes devoirs aussi, parce que demain, il y a l'école. Où il va? C'est pas possible. Le temps qu'on perd à annuler les actions. Oh là 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 là. Allez. Voilà, très bien. Ensuite, tu vas jouer un petit peu. En plus, t'es concentré. Du coup, ça avance plus vite. Après, il faut faire tes devoirs. Hein. Mais tout ça on peut vendre aussi. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. Bon, de toute façon, là, j'ai pas la même pression que sur les autres stages de vie parce que je voulais jamais pouvoir apprendre toutes les compétences jusqu'à 10. Donc, le but, c'est d'en faire un maximum, quoi. Mais. Pour avoir. Et d'acheter un maximum de traits aussi parce que ça rapporte 10 points chaque trait. Donc, ça vaut le coup vraiment. Allez, on y est presque. Tu peux le faire.
Waouh. Allez, lâche l'affaire. Fais tes devoirs. Après, les toilettes. Prendre des restes et dormir. Et d'abord, devoirs. Ouais. Non, les devoirs, c'était pas ta priorité. Je te rappelle que demain matin, tu dois aller faire les baristas à 5h du mat. Et qu'il est hors de question que tu partes sans avoir fait tes devoirs. Donc tu vas aller dormir, très bien. Mais tu vas te lever dans pas longtemps pour faire tes devoirs. Enfin, l'idéal, ce serait quand même que tu les fasses là maintenant. Non, tu peux pas. Allez, va dormir. Je t'offre quelques secondes de répit. Alors, parce qu'il se travaille dans 2 heures quand même. Il va être mort de chez mort. J'aurais peut-être dû le faire dormir un petit peu. Bon allez, lève-toi. Je suis désolée, mais il y a les devoirs à faire. Ton père va t'aider, ça ira peut-être un chouille plus vite. Alors, on peut pas aider ? Non, je peux pas l'aider, je sais pas pourquoi, je dois pas cliquer sur le bon truc. Ah, il est très mal à l'aise, c'est pour ça. Attends, bouge pas, je t'envoie ta mère. Non, mais toi, t'as pas le choix. Bah non, elle veut pas l'aider non plus. Ah, aider à faire les devoirs. Allez, vas-y, va l'aider. Marc, il l'avait peut-être aussi sur le père et puis je l'ai pas vu en lisant trop vite. Allez, on y va, on y croit. On n'aura pas fait les devoirs, mais il revient à 7h, donc il y a peut-être moyen. Mais alors là, très mal à l'aise. C'est pas bon du tout pour la promo. On va quand même le faire travailler dur. C'est pas bon pour la promo, c'est pas bon. J'ai mal joué. Il faut que j'arrête d'exploiter cet enfant et que je le laisse dormir de temps en temps quand même. Oh, si on peut même plus s'amuser. Ah, par contre, j'ai peut-être mal joué parce que j'ai choisi un métier où il n'y avait pas beaucoup d'heures en me disant que comme ça, il avait du temps pour le reste. Sauf que du coup, bah, vu qu'il ne va pas souvent, etc., bah, les promos, elles ne montent pas bien. Surtout quand j'en vois très mal à l'aise. Allez, va dormir quelques minutes. Voilà. Allez hop, on y va. Direction l'école. Bon, de toute façon, on n'a pas la bonne humeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter son besoin social. On va lui faire parler avec ses potes, se faire des amis. De toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'on aura. Qu'on aura un A. Oula, pardon monsieur, mais vos barres elles sont pourries. Va dormir un petit peu. Dans la moyenne. Travailler davantage. C'est bon, payer les factures. Bon, ok. Et bah va faire pipi, écoute. Non, on va pas réparer, on n'a pas le temps. Remplacer. Utiliser. Et dormir. Pour le reste, on verra après. On va peut-être changer les toilettes, un de ces quatre aussi. Qu'il évite de tomber en rat toutes les 2 minutes. Voilà. Alors. Allez, toi, tu vas dormir. Je te laisse dormir jusqu'à ce que t'aies fini. Que ta barre soit bien verte. Voilà. Tu tires aux toilettes. Tu travailles.
Allez. Hop. Ensuite, à elle. Prendre une douche, nettoyer. Prendre des restes. Nettoyer, ranger. Bon, c'est pas mal. Allez, hop. Allez, on se dépêche là. Et dormir. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Lui, il en est où? Il dort, il dort. Je le laisse dormir. Je le laisse dormir, promis. Ah, il s'est levé tout seul, hein. J'y suis pour rien. Bon bah du coup, il va manger un morceau. Prendre une douche et dormir. Hop, 4, 4, 3 et 3. Allez, hop, mange un bout. Quand tu te réveilles... Ah, t'as un devoir scolaire à faire. Et quand tu te lèveras, tu feras tes devoirs. Et tu feras ton travail soigneusement. Voilà, voilà. Allez hop, au dodo encore quelques heures. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Ça va toujours pas, hein? Allez, va prendre une douche. La femme, elle va aux toilettes et puis tout le monde va faire crac-crac après. Ça va remonter toutes vos barres, ça. C'est assez magique. Allez. Elle est sous la douche, attends qu'il sorte. Ah, et le brouillard de corps. On va passer par lui ici. Crac 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 avec. Ouais, allez, c'est bon. Toi. Allez, bon, je veux bien te laisser dormir, mais il faut quand même pas t'oublier, quoi. Hein? T'as les devoirs à faire. Le truc là. Pourquoi t'es debout, toi? Allez, utiliser. Prendre des restes. Allez, hop hop hop. Bon, je vais arrêter là parce que sinon on n'aura pas le temps. Hop, vas-y, fais tes devoirs. Il est tendu, il est tendu. Allez. C'est bien d'avoir fait tes devoirs comme il faut. Et 75%, on y est presque, on y est presque. C'est bon. Ça va être bon. Voilà, magnifique. Ton devoir scolaire. Et puis tu vas jouer. Ça va te détendre et ça va passer le quatrième point. Très tendu. Il va jouer parce que sinon tu vas encore arriver. Il faut qu'il aille bosser. Bon bah c'est pas encore aujourd'hui qu'on va avoir une promo, hein. Je vais faire travailler dur. Bon. Bon bah quand il rentrera. On le fera bosser son hygiène. Oh, excusez-moi. Sa logique. Ça va pas du tout. Moi, ça va pas du tout. Hein. Alors. Toi, t'en es où? Allez, débarrasse un peu parce que ça devient crado dans le coin.
J'ai dit que je voulais va ramasser un petit peu et avec l'argent, on verra si on peut investir un peu dans. Je sais pas si les toilettes elles sont. C'est déjà des toilettes que j'avais un petit peu améliorées ou pas. Oh bah non, on peut acheter bien mieux que ça. Acheter des toilettes à 1800, simplouze. Allez, va vendre tes fruits et légumes et t'auras des belles toilettes qui vont pas tomber en panne toutes les deux secondes. Voilà. Il faut il faut qu'on paye les factures aussi. Alors les toilettes, les factures, je sais pas trop. J'hésite entre les deux. On va peut-être pouvoir se faire les deux. Grâce aux fruits et légumes. Ouais, on va peut-être pouvoir avoir les deux. C'est bon. Allez, let's go. Après, tu iras payer les factures d'ailleurs. Hop, on va payer les factures. Et nous, ici, on va changer les toilettes. Parce que bon. Or, à le bol, qu'elle tombe en panne toutes les 3 secondes. Alors. Hop, vendre. Et puis, on va pas acheter les toilettes qui partent, c'est pas la peine non plus. Voilà. Niveau de la douche, on est comment? Oh non, on a déjà la plus chère, celle-là. On changera peut-être le lit des parents aussi. Pourquoi il est avancé le lit? Voilà. Hop, nickel. Hop hop hop, t'en es où toi au niveau du boulot? Ça avance pas beaucoup quand même. Hein. Allez, va jouer à ça. Oh, t'es trop tendu. Regarde un film. Allez, jouez. Dépêche-toi, il y a l'école bientôt. Ça devrait te détendre et te filer la bonne humeur pour aller à l'école. Allez, je te laisse encore jouer quelques minutes. Déjà, t'es plus tendu. Ouais, nickel. Allez, encore un petit peu. Allez, hop, à l'école. Voilà, donc au niveau maintenant, pour être à 4 partout, il va nous manquer que le fitness que tu feras en rentrant tout à l'heure. Donc là, tu es super concentré, donc tu vas réviser assidûment, pardon. Et du coup, tu devrais pouvoir peut-être. T'as fait tes devoirs, magnifique. Allez, on y croit, peut-être la promo. Ah, tu veux pas rester là-dessus, toi? Attends. Voilà. Oh bah alors. Eh ben. De moi ce truc là? Ah bah non, il veut pas. Voilà, il a décidé qu'il voulait pas, il veut pas. C'est lui qui décide a priori. Je sais pas trop pourquoi. C'est marrant comme bug, hein, mais. Tant pis. Tant pis. Toi, t'en es où? Tu les as ramassés tes fruits machin là? Va entretenir ton jardin là, c'est n'importe quoi. Allez. Hop. Il rapporte bien maintenant le jardin. Ça fait plaisir. On va peut-être pouvoir changer. Enfin, je sais pas, le lit des parents ou le frigo, j'hésite entre les deux. On va voir. On va voir. Et t'as pas fini là, mon gars? Allez, va tester les nouvelles toilettes Yox. Ah, tu vas pas bien. Hein. Prendre des restes. Regarder un peu la télé. Et dormir. Par contre, ce serait bien que tu viennes t'occuper un tout petit peu de ton jardin. Ah, voilà, ça y est, il est revenu. Alors, t'as le temps de faire un petit peu de fitness quand même avant de se détendre? Entraînement.
Ah, normalement, demain, il devrait avoir son A. Donc ça, c'est bien. Ça va faire des points. Donc là, on va essayer. Et on va pouvoir se concentrer sur le travail. Allez. Ouais, c'est ça. Prends-toi en photo. Allez. Non, jouer, il veut pas. Manger, prendre des restes. Prendre une douche. Et dormir. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? En manque d'inspiration. Ah, bah tu vas créationner, t'inquiète. Oui, créationner, du verbe créationner. C'est connu, c'est connu. Essentiellement chez moi, mais... Hop, allez au dodo, on verra demain matin. On va remettre un petit coup de fitness et un petit coup de logique. En sachant que la bonne humeur pour aller au travail, c'est inspirer. Pour l'école, c'est concentrer. C'est un peu compliqué à gérer entre les deux. En fait, j'ai fait n'importe quoi quand j'ai choisi le métier. Et j'ai cru que c'était un bon plan, mais pas du tout. Ah puis attends, il a pas fait ses devoirs non plus. Bah non ! Les journées sont beaucoup trop courtes, hein. Alors. Hop, hop. On va laisser finir de dormir. Qu'est-ce qu'elle fait, Céleste ? Et la toilette et cuisine un peu. Ça fait longtemps que t'as pas cuisiné et du coup, à mon avis, il n'y a plus rien à manger. Hop. Allez, allez, allez. À toi. Allez, stop. Tu vas jouer un petit peu. Allez, vas-y, joue, détends-toi. Ah ouais, non, tu veux plus jouer parce que t'es trop tendu. Jeu vidéo, tu veux bien ou pas? Ouais, tu veux bien. Allez, jeu vidéo. Allez, ça suffit. Les toilettes, utilisées. T'es quoi? T'es courbaturé encore? Oui. Allez, tu vas finir ton travail et faire tes devoirs, s'il te plaît. Et puis tu vas partir à l'école. Voilà. C'est bien, t'as gagné un point de fuséologie. Oh, ouais, on va acheter une fusée. Ah, on va attendre d'avoir un peu de sous et puis on va acheter une fusée. Tu trouves que c'est un peu le bazar, alors on laisse, on va faire comme d'habitude, on va demander à maman de ranger. Voilà. Bon, c'est... il y en a encore pour longtemps là, son devoir scolaire là. Parce qu'il y a école dans 2 heures, enfin il y a travail dans 2 heures là. C'est bien. Attends, peut-être aller t'aider ta mère aussi. Aider. Ça ira peut-être plus vite. Voilà. Super. Ok. Ensuite, tu prendras des restes. Non, tu mettras un déjeuner dans un sac en papier. Ouvrir. Je peux pas mettre directement. Je le sors peut-être. Non, ça marche pas. C'est périmé ou quoi? Ah oui, c'est périmé. C'est pour ça que c'est périmé. T'as mis où ton plat là? Ah bah oui, dans l'évier forcément. Hop. Mettre dans un sac en papier pour déjeuner. Tu mangeras à l'école.
je vois encore un petit peu, ça va te détendre et après tu vas prendre une douche méditative. Ouais, méditative. Et dépêche-toi parce que par contre, le boulot c'est maintenant. Hop là. Je suis pas sûre que t'aies le temps de prendre ta douche, on va essayer. Le petit sac en papier. Ouais, ouais, on y va, on y va, on y va. Allez. Ouais, il est fatigué, vraiment. Travailler dur, c'est bon. C'est bon, il a le bon état d'esprit. C'est ça que c'est bon. Allez. T'es inspiré, t'as à manger. Allez. Bon, t'arrives en retard. C'est un peu le problème. Allez, dormir. Il a réalisé une fantastique performance au travail. Tu m'en diras tant. Oui, alors Céleste, elle est sur le lit. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Puis bien sûr, elle va me dire qu'elle ne peut pas descendre. Voilà, elle est bloquée. Donc on va attendre qu'il ait fini de dormir et qu'il parte à l'école pour déplacer le lit. Voilà, elle est bien. Elle marche sur son fils, tout est normal. T'en es où toi? Allez, dors encore un petit peu. C'est parti. Hop. Et puis... Ah bah elle est sur la table basse maintenant, c'est bien. D'accord, elle se fiche de moi, hein, sans déconner. Si j'enlève le lit, tu vas te mettre sur le bureau. Voilà. Eh bah dis donc. Si elle se remet sur le lit, je pète un câble. Hein. Non, c'est bon. J'ai cru qu'elle allait recommencer. Faudrait entretenir ton jardin. À bientôt mourir, John. Toi, tu vas réviser assidûment. Ah, c'est bien. Normalement, il va avoir un A aujourd'hui. Donc, on va récolter des points. Et ça, c'est bien. Alors, on va pouvoir s'occuper un peu de John, le pauvre. Il rapporte de la thune, mais on s'en occupe pas beaucoup. D'ailleurs, il va falloir qu'Andrea commence à s'occuper un peu du jardin aussi, parce que... tiens, ouais, tu vas arrêter de t'en occuper, et puis c'est Andrea, alors... Et puis c'est Andrea qui fera en rentrant pour apprendre un petit peu. Bah t'as faim, mais il y a plein à manger, mon pauvre. Enlever la nourriture gâtée, plus de choix, prendre un repas rapide, allez, des biscuits au fromage. Voilà, faire un petit peu le ménage, très bien. Voilà, voilà. Toi, tu vas revenir avec toi et on va arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est sur cet épisode. Donc on va attendre qu'il rentre. Voilà, tout va bien. T'as rien à nettoyer, rien à ranger, non, très bien. Là, t'as rien à réparer. Réparer, tu vois ? Quand on cherche, on trouve. Et voilà. Donc Andrea a eu un A. Je vais regarder combien de jours il lui reste. Donc il lui reste 8 jours. Donc ça va faire quelques points jusqu'où on va pouvoir se rajouter ces petits points-là. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on en est où de là? Bon, bah ça, maintenant, on va pouvoir se concentrer un peu plus sur sa carrière.
Est-ce qu'il a des jours de... On va pouvoir prendre ses jours de repos, histoire de... Par exemple, si on se prend jeudi, vendredi, il ne retravaille pas avant lundi prochain. Donc, on va pouvoir un petit peu avancer les compétences maintenant qu'on n'a plus besoin d'aller à l'école puisqu'on a un A. Voilà. Donc, écoutez, c'est comme j'ai dit, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite, pour voir si on peut avancer encore dans... Il y a tellement de compétences à faire qu'on n'est pas prêt d'arriver au bout. Et puis, on est à 8 jours de la fin du challenge. Donc, je pense qu'il reste peut-être 2, voire 3 vidéos maximum après celle-là. Et on serait arrivé au bout de ce let's play. Mais rassurez-vous, j'en ai d'autres en stock. Et je pense que ça devrait vous plaire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve très très vite. Voilà, bisous bisous!